et que l'Église dise Amen. J'accueille tout le monde à l'étude biblique au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ce sera un temps inoubliable dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Pour les pasteurs, les dirigeants, les ouvriers, les membres qui venaient, je prie que l'Esprit ouvre votre entendement et que vous voyez tout ce qui vous appartient dans la parole au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur bénira tout le monde cette nuit. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci de nous avoir amenés ensemble. Nous te remercions parce que tu es le grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, majestueux. Nous demandons, Seigneur, que cette nuit, que tu ouvres les pages de l'Écriture à tout cœur au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que tu changes toutes les vies. Qu'il y ait quelque chose qui va se produire, quelque chose de grands avantages dans tout cœur, dans toute famille, au nom de Jésus-Christ. Bénis les jeunes, bénis les personnes âgées, bénis les hommes, les femmes, les frères, les sœurs, les dirigeants, les responsables, les membres, les ouvriers. Bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Garde-nous en éveil et que tout ce qui est en nous soit éveillé, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Que la lumière dans tous les domaines rentre dans toute vie. Que la vie éternelle, la vie abondante, la vie spirituelle soit dans toute vie. La vie qui nous fait réellement étudier la parole de Dieu et nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jean 11. On étudiait l'évangile selon Jean et on avait étudié du chapitre 1. Nous sommes maintenant au dernier verset du chapitre 11. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit la même chose à chacun de nous aujourd'hui, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela veut dire que si tu crois, Dieu merci, je crois. Et quand vous croyez, il dit que cette foi de croire au Seigneur va vous conduire à voir la gloire de Dieu. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Comprenez, il n'a pas encore demandé, il n'a même pas prié, il n'a même pas fait sa requête, mais il savait que le Père va l'écouter et le Père va l'exaucer. Et il faisait chaque fois tout ce qui plaisait au Père et le Père aussi répondait à la manière qui lui plaît. Avant de poser son décret, avant de proclamer que Lazare sorte, il a dit déjà que Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Comment? Comment? Toujours. Toujours. Toutes les prières de Jésus sont exaucées. Quand il vient vivre en vous et il règne dans votre cœur et vous lui donnez l'occasion de vivre sans rival dans votre vie, le temps viendra où toutes vos prières seront exaucées au nom de Jésus-Christ. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, tout le monde, Lazare sort. Lazare sort. Et le mort sortit. Il doit sortir. La parole de Christ doit s'accomplir. Et quelle que soit la pierre qui est mise sur le tombeau, quelle que soit la chose dans votre vie,
La parole écrite doit s'accomplir. Ce soir, cela doit s'accomplir. Cette année, avant que l'année ne finisse, tout ce que le Seigneur t'a promis, tu dis, Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela, et tu m'as dit que j'aurai plus en plus cette année, au commencement de l'année, l'année tend vers la fin, le Seigneur va accomplir sa parole pour vous. Et la Bible a dit clairement ici que Lazare était sorti, et le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est comme Dieu parle de vous ce soir. Déliez-le et laissez-le aller. C'était un grand miracle. Et vous allez trouver que le miracle du Seigneur Jésus-Christ manifeste sa gloire, la gloire d'un Fils unique du Père. Et le Seigneur Jésus-Christ était avec le Père depuis toute l'éternité, avant le commencement du monde. Il avait la gloire avec le Père, et les disciples ont contemplé sa gloire. Il a fait ce qu'un autre homme n'a pu faire. Comme on parcourt la Bible, personne n'avait pu faire ceci. Au fait, quand on voit l'évangile selon Jean, les miracles enregistrés sont des miracles spéciaux, des miracles spectaculaires, surnaturels, des choses qu'aucune autre personne n'avait faites même avant que le Seigneur n'arrive. C'est pour vous montrer, pour me montrer que Jésus-Christ a la gloire. Et ces miracles manifestaient la gloire de Christ. On va à Jean au chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Voyez, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui, au commencement, Jean nous disait que ceci est enregistré afin que vous contempliez sa gloire. Vous allez voir la gloire là cette nuit. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Chapitre 2, verset 11. Cela parle de la manifestation de la gloire de Christ pendant qu'il faisait ses miracles. Chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous vous rappelez bien, lorsqu'on a lu chapitre 11 de Jean au commencement, lorsque Jésus leur avait dit que Lazare était mort, il leur avait dit la raison pour laquelle il irait là-bas. Et Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu, Jésus, le Seigneur, le Maître, afin qu'il soit glorifié par elle. Donc vous comprenez que quel que soit le problème, le défi, la crise dans votre vie aujourd'hui, Dieu aura sa gloire dans votre vie. Dieu va résoudre le problème. Dieu va guérir la maladie là. Dieu va ôter la calamité. Le désastre ne va pas continuer dans votre vie parce que vous allez voir la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Voilà le chapitre 11, Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Très simple. Pour voir la gloire de Dieu, il faut seulement croire. Comme vous croyez, quel que soit là, ce que vous avez amené comme problème cette nuit, vous croyez au Seigneur la gloire. Que quelqu'un crie gloire. La gloire de Jésus se manifestera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons Jean chapitre 12. Jean au chapitre 12, je lis verset 40. Jean 12, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux. Cela parle des incroyants, des pharisiens, des sadducéens. Qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui.
C'est-à-dire que Jésus avait la gloire. Jésus ayant la gloire n'est pas une chose étrange. Même dans l'Ancien Testament, lorsque Isaïe, les gens ont vu la vie de Christ, son avènement, son ministère, sa mort, sa résurrection, il a vu la gloire de Christ à venir, la gloire sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand il a cette gloire, jusqu'à quand il a cette gloire, voyons Jean, et que Père, glorifie-toi. Glorifie-moi avec la gloire que j'ai avec toi avant la fondation du monde, avant le commencement du monde, avant la création du monde. Jésus était au ciel parce qu'il est éternel, il est fils de Dieu. À cause de cela, il avait cette gloire. Avant qu'un ange ne soit créé, avant que l'homme ne soit créé, Jésus était avec le Père et il avait cette gloire avec le Dieu, le Père au ciel. L'un de ces jours, vous serez au ciel, vous verrez la gloire. Verset 24. Père, je veux que tout ce que tu me donnes soit avec moi. Et il parle du croyant qui va au ciel. Jean 17, 24. Le croyant, après être sauvé, tu continues avec le Seigneur, tu vas au ciel, parce que ça, la sanctification, personne ne verra avec le Seigneur. Quand tu demeures dans la grâce de Dieu, qui apporte le salut, qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et à l'injustice et à vivre selon la sagesse, la justice et la piété dans ce monde, si tu acceptes cette expérience d'être racheté de toute iniquité et que tu deviens un peuple saint pour le Seigneur, quand tu quittes ce monde, tu iras au ciel. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu auras quitté ce monde, tu iras au ciel au nom de Jésus-Christ. Et dit, Père, je veux que tu, là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Là, on voit que Jésus a la gloire. Et sa gloire s'est manifestée aujourd'hui quand vous venez à Christ. Quand vous voyez Christ, quand vous le contemplez dans votre cœur, dans votre vie, vous allez voir qu'il va manifester sa gloire en vous. Il va transformer votre vie, il va vous changer. Vous allez devenir comme une lumière radieuse, brillante, éclatante au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthiens 3, 18, deuxième Corinthiens 3. Deuxième Corinthiens 3, chaque enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, que nous tous, comme de personnes, nous tous, chaque tout enfant de Dieu qui s'est détourné du péché, qui croit au Seigneur, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Tu regardes Christ, tu apprends de lui, tu contemples sa voix, tu regardes sa vie, sa péché, sa vie de justice, sa vie céleste, tu contemples cela comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voici ce que le Seigneur dit ici. Il dit que lorsque tu le contemples, lorsque tu le vois et tu le regardes et tu marches comme lui et tu veux que la grâce en lui vienne en toi, dit que tu auras la gloire. Je prie que cela se produise dans votre vie au nom de Jésus. Ce soir, nous allons voir ce passage qui est la manifestation de la gloire de Christ. La manifestation de la gloire de Christ. Le pourquoi Lazare le fait de ressusciter Lazare des morts a manifesté sa gloire et a fait que beaucoup ont cru en lui. Les gens qui étaient là et ils savaient que Lazare était mort pendant 4 jours et déjà il puait et Jésus est venu avec puissance et autorité et il a posé le décret, la déclaration, Lazare sort. Et Lazare était sorti et il a dit déliez-le et laissez-le aller. Il a été délaissé, il a été laissé et même la maladie qu'il a tué, la maladie était totalement guérie. Quand ils ont vu cela, ils ont vu sa gloire. Alors cela les a amenés à la repentance. Ils ont vu sa gloire. Cela les a amenés au salut. Aujourd'hui, si tu regardes la gloire de Christ, si tu vas bien penser, comme tu vois l'œuvre de Christ, le miracle de Christ, cela va te conduire à une décision définie pour Christ. Cela va te conduire au salut.
cela va te conduire à la transformation, cela va te conduire à la sanctification, cela va te conduire à la consécration de ta vie au Seigneur. Quand tu contemples sa gloire, tu vois ta majesté, tu vois les grandes œuvres qu'il a faites. Cela va te conduire à un engagement, à une obéissance absolue, entière, totale, complète au Seigneur, comme tu vois sa gloire. Beaucoup de personnes n'ont pas pensé à Jésus-Christ comme le Seigneur de gloire. Il dit qu'il est mon sauveur, il est plus que cela. Ils disent qu'il est mon Seigneur, il est plus que cela. Il est le Seigneur de gloire. Voyons 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens au chapitre 2. Et voyons Jésus-Christ appelé ici comme le Seigneur de gloire. Le Père est le Père de gloire. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire, le Roi de gloire. 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié quoi? Le Seigneur de gloire. Il l'avait crucifié parce qu'ils étaient ignorants. Il l'avait crucifié parce qu'il ne savait pas. Mais il ne savait pas que c'est lui le Seigneur de gloire. Et il est toujours le Seigneur de gloire. Et quand il entre dans votre vie, quand il entre en vous, il va amener la gloire dans votre vie. Il va amener la majesté en vous. Il va amener la gloire en vous au nom de Jésus-Christ. Christ est le Seigneur de gloire. Les miracles qu'ils ont fait, qu'il a fait, ont brillé sa gloire, ont montré sa gloire. C'est le Seigneur de gloire. Jacques au chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Et dit, vous avez foi au Seigneur, croyant que, toi, que le Seigneur soit c'est un Seigneur de gloire, qu'il n'y ait aucune hypocrisie, partialité, parce que vous servez le Seigneur de gloire. Ce passage que nous étudions en Jean 11 aujourd'hui a pour titre la manifestation de la gloire de Christ. La manifestation de la gloire de Christ. Le message est divisé en trois parties. Premier point, la préparation. La préparation. Vous voyez, avant que la gloire ne soit arrivée, il leur a donné l'instruction, le commandement, que voici ce qu'il faut faire. Vous devez savoir dans votre vie que les miracles viendront dans votre vie et la puissance viendra dans votre vie. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait une préparation à faire. Numéro 1, la préparation. Deuxième point, c'est la persuasion. Il y a des gens là-bas, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils étaient persuadés. C'est pourquoi ils ont cru en lui. C'est la prophétie. Numéro 1, c'est quoi? La préparation. Qu'est-ce que la préparation? C'est ôter la pierre. Oui, il va faire sortir Lazare de cette tombe. Alors la préparation est de ôter la pierre. Deuxième point, c'est la persuasion. C'est la persuasion. C'est-à-dire, c'est la confiance absolue en lui. Ouais, ils n'ont pas mis leur confiance en lui, à un cœur partagé. Ils n'ont pas partiellement mis leur confiance en lui, comme en somnolant. Mais c'est-à-dire que tu mets ta confiance en lui, tu crois en lui absolument, complètement, entièrement. La persuasion, la confiance absolue dans le Sauveur. Troisième point, la prophétie, la vérité annoncée à tous les pécheurs. La vérité annoncée à tous les pécheurs. On vient au premier point maintenant. Voici la préparation. Rappelez-vous maintenant que Jésus-Christ était sur le point de manifester sa gloire. La gloire dans la vie de Lazare qui était mort. La gloire dans la famille de Marie et de Marthe qui avaient perdu leur frère. La gloire à Béthanie, dans ce village, dans cette cité où tout le monde était endeuillé parce que c'était une famille populaire. Il va manifester sa gloire.
à auprès de Jérusalem, de 2,5 kilomètres de Jérusalem. Il va manifester sa gloire en Israël. Mais il faut qu'il y ait une préparation. Je crois que vous vous préparez vous-même. Je dis, je crois que vous vous préparez vous-même. Parce qu'il va manifester sa gloire dans votre vie également, dans votre famille, dans votre âme, dans votre esprit. Mais il y a une préparation à faire. Et c'est la préparation de faire ôter la pierre. Jean 11, au chapitre 39. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Matt, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Matt, il faut seulement obéir. Il faut seulement obéir. Ça, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu au miracle. Obéir, il faut seulement obéir. C'est la voix au Sunna, c'est la voix de Dieu à la manifestation spectaculaire. Il faut seulement obéir. Il n'y a plus d'autre voix. Ne te l'ai-je pas dit que si tu vas obéir, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41. Il ôtèrent donc la pierre. Dieu merci, ils ont obéi. Dieu merci, ils ont obéi. Dieu merci, vous allez obéir au Seigneur. Ôtez la pierre. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, pour moi? Qu'est-ce qu'il nous dit de ôter? Si vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous allez ôter? Il nous dit très clairement, comme ils ont ôté la pierre, il y a quelque chose que nous devons ôter. Voyons ceci en Jérémie 4, 4. Jérémie 4, 4. Voyons Jérémie 4, 4. Qui dit, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Vous voyez, ces gens étaient pécheurs, ils étaient israélites, des religieux, mais ils vivaient dans le péché. Le Seigneur a dit qu'il y a quelque chose qui empêche la gloire de Dieu dans leur vie. Il y a quelque chose qui empêche le miracle de Dieu, la majesté, la puissance de Dieu dans votre vie. C'est cette rébellion, c'est les coups, ce coup roide, cette transgression, et dit ôtez de votre vie la rébellion. On va à Ézéchiel, le prophète dit la même chose, ôtez la pierre, il y a quelque chose à ôter. Voyons Ézéchiel au chapitre 11, Ézéchiel au chapitre 11, verset 18. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Où est cela? C'est ainsi que le miracle se produit. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je n'ai jamais vu de miracle, je n'ai jamais vu le malade guéri, je n'ai jamais vu le surnaturel, la gloire. Ce soir, vous allez voir la gloire. Vous savez, il y a une préparation à faire. La préparation est d'ôter la pierre. Toutes les choses détestables, les choses que Dieu hait, les choses que Dieu dit, cela ne doit pas être là. Ôte cela et Dieu va faire quelque chose. Verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Eux doivent ôter les choses détestables, les choses qui souillent, les choses abominables. Eux-mêmes doivent ôter cela. Et puis le Seigneur va faire le miracle, va faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, que j'ôterai le cœur de pierre et je leur donnerai le cœur de chair. Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel au chapitre 36, verset 25. Il y a une préparation à faire afin de voir la gloire de Dieu. Vous devez ôter la pierre.
les choses détestables. Vous devez ôter les transgressions, ôter les abominations de votre vie et vous en détournez afin d'être purifié et lavé par le sang de Jésus-Christ. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez pur. Quelqu'un là-bas, vous serez pur. Le Seigneur peut purifier votre cœur, votre âme, votre esprit, vos pensées, votre passé, que vous devenez totalement nouveau. Vous deviendrez une nouvelle créature en Christ. Lorsque vous devenez une nouvelle créature comme ça, apprêtez-vous, de grande gloire descendra sur votre vie. Et dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos sues. Combien de purification, combien de pureté va-t-il ôter? Je vous purifierai de toutes vos sues. De combien d'idoles va-t-il ôter et de toutes vos idoles? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ce que Dieu fait. Il ôte. Après que tu auras fait pour toi, tu te repens, tu t'en détournes et tu ôtes les choses détestables que tu héberges dans ta vie. Tu ôtes tout et Dieu viendra dans sa force surnaturelle et il ôtera la chose là. Comme le Nouveau Testament parle de cela, il a dit dans un langage très clair. Voyons, 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean au chapitre 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Voilà ce que Dieu fait. Quand Dieu voit et plusieurs visitent des assemblées, vont à une dénomination, mais ils ne comprennent pas. Ils disent que je ne sais pas pourquoi je ne suis pas béni. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne fait pas de miracle en moi. Je ne sais pas pourquoi la promesse n'est pas accomplie. Parce qu'ils n'ont pas ôté la pierre. Jésus s'intéresse à votre vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il veut que la chose la soit ôtée. S'il y a une immoralité là-bas, s'il y a une souillure là-bas, s'il y a une abomination là-bas, s'il y a une idole là-bas, s'il y a une fraude là-bas, il veut que cela soit ôté. Quand vous ramenez cela au Seigneur, que Seigneur, je sais que je suis sale, je suis pécheur, je sais que je n'ai pas fait ce qui est juste, Seigneur, aide-moi. Tu te repens, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il va ôter vos péchés. Voyons le verset 5. Okay? Oh, vous le savez, vous devez le savoir. Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Il ne l'a pas vu. Faire le miracle de conversion, de transformation, parce qu'il n'a pas ôté la pierre. Et puis il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, dites-le moi, est du diable. Il n'a pas ôté la pierre. Il ne s'est pas préparé pour la gloire de Dieu, pour la manifestation de la puissance. De la puissance de Dieu dans sa vie. Il vit dans le péché. Il vit dans le mal. Ah, parce qu'il vit dans ce mal, il n'a pas permis à la puissance de Dieu d'agir dans sa vie. Et le Seigneur t'attend cette nuit. S'il y a une souillure dans ta vie, le Seigneur t'attend cette nuit. S'il y a une abomination là-bas, tu vas t'en détourner. Tu vas totalement jeter cela de ta vie. Et quand tu fais cela, la puissance de Satan sera brisée dans ta vie. Et il va te relâcher. Il va te ravir de la main de Satan. Verset 6. Quiconque pêche. Verset 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le verset 8. Le Fils de Dieu a paru. Que quelqu'un dise, c'est merveilleux. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire quoi? Les œuvres du diable. Toute abomination, toute œuvre du diable dans votre vie
sera détruite par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On revient à Jean. Jean 11, voyons le verset 41. Jean 11, 41 et 42. Jean, chapitre 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Est-ce que vous allez ôter tous vos péchés? Vous n'allez même pas permettre à aucun péché de rester, parce que c'est la voie au péché. Lazare était là depuis 4 jours et personne n'a pu ressusciter quelqu'un qui est mort de 4 jours. Dieu merci, vous n'allez pas argumenter. Ces gens n'ont pas argumenté. Vous n'allez pas douter de cela. Ces gens ont soumis leur volonté, leur opinion. Ils ont tout soumis au Seigneur. Et j'ai dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a prié avec confiance. Il a parlé à ce tombeau avec confiance. Il a ressuscité Lazare parce qu'il est venu avec la confiance du Fils de Dieu. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous comprenez donc que Jésus est toujours exaucé par le Père. Jean 9, verset 31. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jésus a-t-il fait la volonté du Père? Je dis, Jésus a-t-il fait la volonté du Père? Combien souvent faisait-il la volonté du Père? Toujours, à chaque moment. Parce qu'il faisait la volonté du Père, le Père l'exauce toujours. Le Père répond à sa prière à tout moment. Le Père dit oui à tout ce que Jésus demandait. Voyons le verset suivant, 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Il a fait ce qu'une autre personne n'avait fait parce que le Père est toujours avec lui. Jean 17, c'est très important maintenant. Jean 17, verset 8 et 9. Jean 17, 8 et 9. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voyons ceci. C'est pour eux que je prie. Il priait pour ses disciples. Rappelez-vous que le Père l'exauce toujours. Le Père l'exauce toujours. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la prière de Jésus pour l'Église. Et le Père l'exauce toujours. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il a prié pour les croyants qui viendront après ces croyants primitifs. Et le Père l'exauce toujours. Jésus a prié pour ta sanctification. Je dis, il a prié pour ta sanctification. Si tu vas t'accorder avec la prière, là, tu vas au calvaire, à la croix, tu consacres tout
devant le Seigneur, la prière pour toi sera exaucée, la sanctification sera exaucée au nom de Jésus-Christ. Tu seras sanctifié. Je dis, tu seras sanctifié. Tu seras rendu saint. Tu seras pur. Et la sanctification pour laquelle Jésus a prié sera visible dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. Hébreux 7, 25. Que quelqu'un dit, il est capable de sauver, il est capable de guérir, il est capable de délivrer, il est capable de détruire les œuvres du diable, il est capable de sanctifier, il est capable de vous donner la force, il est capable de résoudre vos problèmes. Est-ce que vous dites Amen? Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il prie pour vous. Maintenant, il est au ciel. Quand il était sur la terre, il a prié disant, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Maintenant, il est au ciel. Et là, déjà, il est allé avec... Parce qu'il a versé son sang. Et il s'est sacrifié lui-même. Et le sacrifice était accepté par le Père. Et maintenant, il intercède pour toi que tu ne faiblisses pas. Il intercède pour toi que tu ne tombes pas et puis tu ne tomberas pas. Il intercède pour toi que ton voyage ne finisse pas à mi-chemin et ton voyage ne finira pas à mi-chemin au nom de Jésus-Christ. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. On revient à Jean 11. Jean 11, verset 43. Jean au chapitre 11, nous lisons le verset 43. Ayant dit cela, après que Jésus aura affirmé la conviction que Dieu exauce sa prière à tout moment, maintenant il décrétera, fera une déclaration. Le décret qu'il a fait, il peut faire quelque chose dans ta vie. Il peut faire quelque chose de pareil dans ta vie. Tout ce qui est mort dans ta vie va reprendre vie cette nuit. Le cerveau qui est mort va reprendre vie cette nuit. Le corps, le cœur qui est mort va reprendre vie cette nuit. L'enfant là, on dit que son cerveau, qu'il n'y a pas de cerveau là-bas. La chose là va reprendre vie au nom de Jésus. Ta famille va reprendre vie. Les œuvres de tes mains vont reprendre vie. Parce que dès que Jésus fait la déclaration et dit, quel est le nom? Je dis, quel est le nom? Je dis, ton nom, quel est ton nom? Je suis Daniel. Dès qu'il mentionne ton nom, il dit, sors du tombeau. Le succès va rentrer dans ta vie. Et toutes les choses qui te dérangent, comment cela va arriver, comment cela va se passer? Dieu merci, je vois un vainqueur déjà. Je vois des vainqueurs devant moi. Et toute chose va reprendre vie en vous au nom de Jésus-Christ. Jean 11, je lis ici verset 43. Voilà le verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Pas une autre personne, la même personne. La même personne. Et quelqu'un là-bas devant moi, toi, comme tu es là, le miracle viendra par une autre personne. Le miracle t'atteindra là-bas au nom de Jésus-Christ. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Toutes les servitudes que vous avez amenées à l'église, le Seigneur nous a dit, nous les ministres, déliez-le et laissez-le aller. Toutes les maladies incurables que vous avez amenées, le Seigneur nous a ordonné. Il nous donne l'onction qui brise le joug. Et il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Je dis, il a dit quoi? Déliez-le et laissez-le aller. Vous êtes affranchis.
Je regarde une personne affranchie là-bas. Tu es affranchi au nom de Jésus-Christ. Déliez-le et laissez-le aller. Ouais, avant d'aller, avant de quitter ceci, un jour viendra. Jésus-Christ va dire ceci. Non seulement Lazare, il le dira à tous les croyants qui étaient morts dans le tombeau. En un clin d'œil, en un moment, la voix va parvenir du ciel. Que sortez, et l'église va sortir. Il y aura la résurrection. Et nous qui sommes morts, nous serons changés. En 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 51. Le jour viendra bientôt. Je serai là. Je prendrai part. J'y prendrai part. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Est-ce que vous faites partie de cela? Et nous serons changés. 1 Thessaloniciens, nous lisons. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons, y a-t-il des croyants cette nuit? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, le Seigneur vient. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui sont prêts pour l'enlèvement, ensuite, ceux qui sont sauvés, ensuite, ceux qui sont sanctifiés, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Serez-vous là? Dieu merci, vous serez là. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez là-bas, le Seigneur est puissant et fort. Il est majestueux et glorieux. Dès qu'il dit « Sors », tu vas sortir cette nuit au nom de Jésus-Christ. Revenons à Jean. Deuxième point maintenant, Jean. Au chapitre 11, la persuasion. Jean 11, voyons, verset 45. Ouais. Lorsque Jésus a appelé Lazare et Lazare était sorti du tombeau, il a dit à ces gens quelque chose. Que Jésus est le Seigneur de gloire, le Seigneur de puissance. Que Jésus-Christ, avec Jésus, que tout est possible. Pensez à cela. Si Jésus doit venir à là où Lazare était mort 4 jours et déjà il puait, sentait mal, Jésus est seulement parlé sans rien toucher, sans rien tirer, sans rien pousser, sans saupoudrer quelque chose, ou bien sans allumer l'encens, ou bien verser de l'eau bénite là-bas. Il a seulement déclaré la parole de puissance, d'autorité, disant « Lazare, sort !» Et Lazare était sorti. Si tu étais là, tu dirais « Oh, s'il pouvait faire cela à Lazare, je sais qu'il peut résoudre mes problèmes. S'il peut faire cela, je me confie en lui. S'il peut faire ça, je vais lui donner ma vie. » Je vais lui donner tout ce que j'ai parce que je sais qu'il est capable de manifester la puissance là dans ma vie. Parce que, mais ils sont persuadés. Quelqu'un là ce soir est persuadé. Il dit, tu es persuadé. C'est pourquoi, revenons à Jean au chapitre 11. Jean 11, 45.
plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Ils ont vu. Ils étaient persuadés. Ils étaient convaincus. Ils ont vu. Ils étaient convaincus qu'il n'y a aucune autre personne qui puisse le faire. Il n'y a point d'autre sauveur. Voici l'unique sauveur. Celui qui peut ressusciter les morts, peut ressusciter ceux qui sont morts dans les péchés, dans les transgressions, et leur vie sera changée. La persuasion les a agrippés. Voyons, Jean au chapitre 10. Voilà le verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. 41. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient: Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. C'est ce qui leur a donné la confiance, ce qui leur a donné la persuasion. C'est pourquoi maintenant ils vont croire. Verset 42. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Avec tout ce que Jésus a fait, je suis sûr que vous croyez. Je suis sûr que vous croyez. Revenons au même chapitre 11, Jean 11, 45. Jean 11, 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Crurent en lui. Ça, c'est l'effet du miracle. Quand on voit le miracle, ce doit avoir un effet dans votre vie. Quelqu'un qui était malade depuis un long moment, la parole de Dieu est prêchée et à travers le nom de Jésus, la personne est guérie. Cela doit vous faire dire que je dois croire moi aussi. Parce que si le Seigneur peut faire ça, si le Seigneur peut faire l'impossible, l'incroyable, ce qui n'a jamais été fait dans la vie d'autrui, je peux lui soumettre ma vie, je peux lui donner mon cœur, je peux lui confier mon passé, mon présent, mon futur. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses aujourd'hui. Je suis sûr que vous allez croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez cru auparavant, mais vous allez le croire de plus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jean au chapitre 4, verset 39. Le résultat d'avoir vu ce que Christ a fait, le miracle qu'il a fait, la gloire qui s'est manifestée, l'impact de cela dans la vie de ces gens. Jean 4, 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous voyez que personne ne pouvait faire cela, à l'exception de que Jésus seul. Voyez, le Messie a tout dit. Il te raconte pour la première fois. Et à cause de cela, ils étaient convaincus et ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Voyons Jean 8. Plusieurs ont cru. Je suis l'un de ceux qui ont cru. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je dis, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est mon guérisseur. Il est mon rédempteur. À cause de ce qu'il a fait dans la vie des autres et dans ma vie, je dois continuer de croire. Quand vous continuez de croire, des miracles vont continuer de se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jean au chapitre 8, voilà le verset 30. Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous voyez, vous serez une exception si vous ne croyez pas. C'est comme le diable t'a encagé et puis le diable t'a enfermé dans une prison et t'a aveuglé et a fermé tes oreilles. Tu ne vois plus, tu ne penses plus bien. Voyez tous ces gens qui ont cru, plusieurs ont cru en lui. L'autre chapitre, plusieurs ont cru en lui. Maintenant, c'est ton tour. Dieu merci, tu vas croire. Dieu merci, tu vas croire. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et puis il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Toute servitude est ôtée de votre vie. Jean,
chapitre 12, Jean 12, verset 11. Jean 12. Nous suivons avec le fait que ces gens ont vu le miracle et ils étaient persuadés, convaincus, et ils ont cru. Jean 12, 11. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. C'est la conséquence normale, naturelle, parce qu'ils étaient pleinement persuadés et ils ont cru au Seigneur. Dieu merci, je suis persuadé. Si vous êtes persuadé, dites-le mieux que je suis persuadé. Dieu merci, vous êtes persuadé. Le Seigneur va l'accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Romains au chapitre 4, Romains 4, 21. Et ayant la pleine conviction, voyez cela, ce n'est pas une persuasion, une conviction partielle ou bien à moitié, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pour cela qu'il fut ainsi imputé à justice. Même Christ a dit que, oui, même à 4 jours que je vais le ressusciter. Christ est allé, il a ressuscité ce soir, cette nuit, il est ici et cela va se passer. Christ est ici cette nuit et il va faire le miracle dans votre vie. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Comme ils ont cru, alors cela a le Seigneur l'a compté pour la justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en cela, en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Parce qu'il l'a fait pour nous, nous allons recevoir au nom de Jésus-Christ. Revenons à ce Jean, chapitre 11, voyons d'autres gens qui ont un autre cœur, qui ont une autre pensée. Ils ont un problème. Voyons Jean 11, verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dit ce que Jésus avait fait. Les pharisiens, en ce temps-ci, n'étaient pas là. Chaque fois, ils partaient, Jésus se trouvait, ils se présentaient aussi. Ici, Marie et Marthe étaient endeuillés. Et ces gens étaient venus sympathiser avec eux à cause de Lazare qui était mort. Ils étaient là et ils ont vu le miracle se produire lorsque Jésus a dit « Lazare sort !» Et Lazare était sorti, ils étaient surpris et ils ont vu que les pharisiens n'étaient pas là. Ils devaient voir ceci, ils devaient savoir que ce Jésus est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur de vie, il est la résurrection et la vie. Ils devaient savoir que ce Jésus-Christ peut tout faire. Avec ceci est impossible avec les hommes, mais pas avec Jésus-Christ. Il est comme Dieu, il peut tout faire. Alors ils sont allés rapporter le cas aux pharisiens. Quelle était l'attitude des pharisiens? Voyons verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Personne ne peut le nier. Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Oui, ils viendront détruire et notre ville et notre nation. Vous savez quoi? Ils parlaient de la protection de leur ville, parlaient de la protection de leur position, de leur religion. Leur cœur n'était pas en règle avec Dieu. Ils étaient endurcis par la religion, par la tradition. Ce qui a apporté la joie aux autres les a animés de jalousie et de haine. Voyez les gens, avez-vous remarqué que les gens qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui ont rétrogradé, les gens qui mènent une vie sale, ce qui amène la joie aux autres, les anime
de jalousie et de haine. Ces pharisiens, au lieu d'être contents, ils sont jaloux. Ce qui a amené la condamnation aux autres, les a condamnés, leur a apporté la condamnation. Dit que Jésus fait beaucoup de miracles. Ça, c'est bon. Mais je dis que non, ce n'est pas bon. Que s'il continue comme ça, les gens ne vont plus reconnaître notre position religieuse. Ils ne vont plus reconnaître notre autorité, l'autorité religieuse. Les gens ne vont plus respecter notre tradition. C'est mieux que Lazare demeure dans le tombeau que de sortir du tombeau pour que notre tradition soit oubliée. Vous voyez, ce type de cœur-là, les autres ont cru, beaucoup ont cru, mais au lieu de croire, eux-là, ils étaient très, 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 très mécontents. Je veux que vous ne soyez pas comme ça. Leurs yeux étaient aveugles, leurs cœurs endurcis, ils étaient devenus une barrière, une barricade, et supprimés, bannis du ciel, de la vie éternelle et de la paix, de la félicité éternelle. Voyez, qu'est-ce qu'ils pensaient faire à cause du miracle que Jésus a fait? Voyons ceci. Ceci, c'est presque incroyable. Voyons Jean 12. Jean 12, verset 9. Jean 12, verset 9. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Pensez à ceci. Ah, ils étaient très mécontents. Ils étaient très farouches. Ils ne pouvaient pas voir la bonté du Seigneur ou la gloire du Seigneur. Ils ont dit que ce Lazare-là, qui est devenu un instrument, un outil entre les mains du Seigneur pour que plusieurs croient en lui, nous allons le tuer. Pour qu'il ne vive plus. La jalousie était très amère. Oui, l'endurcissement du cœur était très grandissime. Que vraiment, que leur injustice était visible, flagrante. Parce qu'ils ne voudraient pas croire. Verset 10. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui. Et croyaient en Jésus-Christ. Je prie que votre cœur ne soit pas pareil. Ouais, ils n'entraient pas dans le royaume et ils ne préparaient pas la voie pour ceux qui veulent même entrer. Luc, au chapitre 11, Luc, Dieu merci, vous n'êtes pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne serai pas comme eux. Tout ce qui vous fera être comme cela, que le Seigneur l'ôte de votre cœur au nom de Jésus. Pas d'amertume en vous, pas de jalousie dans votre cœur, pas de haine contre la vérité dans votre cœur. Vous allez aimer la vérité, vous allez aimer les miracles de Dieu. Luc 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous voyez, parce qu'ils n'étaient pas là, parce qu'ils n'ont pas vu le miracle, parce que Lazare n'était pas leur proche parent et ils voudraient le tuer, parce que beaucoup ont cru au Seigneur, parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume et les gens qui veulent entrer, alors ils les empêchaient. Vous ne serez pas une barrière à personne. Vous ne serez pas un obstacle à personne. Vous n'allez pas empêcher personne d'entrer dans le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. La religion ne va pas vous aveugler. La tradition ne va pas endurcir votre cœur. Vous allez reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Ce troisième point, c'est la prophétie. La prophétie. La vérité annoncée à tous les pécheurs. On revient à Jean 11, 49. L'un de ces pharisiens qui n'a pas aimé ce qui s'est passé, l'un de ces gens religieux qui voudraient protéger la religion, la tradition, qui demeure dans les ténèbres, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Que lui-même ne comprenait pas ce qu'il disait. Que vous n'y entendez rien, c'est quand. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt
qu'un seul homme meure pour le peuple, il prophétisait, mais il ne le savait pas. Voilà, regardez la prophétie là. Qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. N'est-ce pas exactement ce que Jésus est venu faire? Il allait mourir pour le peuple afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Caïphe ne savait pas qu'il prophétisait. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa. Il prophétisa. Qu'a-t-il fait? Dites-le à haute voix. Il prophétisa. Il a fait quoi? Dites-le moi, que je vous entends comme si vous croyez cela. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Cela veut dire que il a donné la prophétie sans le savoir. Mais écoutez ceci, il a donné une grande prophétie, une prophétie scripturaire, une saine prophétie, une véritable prophétie. Il a donné une prophétie appropriée que Jésus mourra et se sacrifier pour le peuple, pour la nation, pour les gens au-delà de la nation. C'était une vraie prophétie, une prophétie authentique. C'était une prophétie juste. C'était une prophétie essentielle. Parce que sans cette prophétie, sans la mort de Jésus-Christ, personne ne sera sauvé. Donc Jésus allait mourir. Il va donner sa vie afin que le peuple, ceux qui sont dans le péché, soient sauvés. C'était une prophétie fondamentale. Toute prophétie dans la parole de Dieu pivote sur la prophétie de Jésus qui va à la croix et mourir à la croix. C'est la prophétie fondamentale. Était la prophétie qui est la fondation de toute autre prophétie dans la parole de Dieu. C'est une prophétie affirmée. Comme on voit de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, c'est la prophétie, une prophétie affirmée. C'était une prophétie qui était confirmée dans la parole de Dieu, certifiée. Mais voyons ceci. Il dit, et lui, le souverain sacrificateur qui a fait la prophétie, ne comprenait pas la prophétie et n'a même n'en a pas profité. Très sérieux, très grave, très sévère. Il a fait la prophétie là. Il a rendu la prophétie là. C'est lui qui a fait la prophétie. Mais il n'a aucun avantage de cette prophétie. Il y a des gens qui prêchent. Et ils prêchent quelque chose de véritable, quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel, quelque chose d'authentique, quelque chose de véritable. Néanmoins, ils n'en profitent pas. Il prêche le salut, il ne profite pas du salut, il prêche la sainteté, mais il n'en a aucun profit. Il prêche la guérison, ils ne sont pas guéris eux-mêmes, il prêche la délivrance, ils ne sont pas délivrés. Comme Caïphe qui a fait la prophétie et lui-même n'a aucun avantage de cela. Je vais y prendre part, je serai participant de ce que je dis. Ouais, c'est pas bon, quelqu'un cours par-ci par-là, tu prêches de saine doctrine, mais tu n'as aucun avantage, tu ne profites pas de cela. Tu parles de la sanctification, tu parles d'un nouveau cœur, tu parles d'une nouvelle vie, et cela n'est pas comme ça dans ta vie. Tu parles de la famille, la monogamie, un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort les sépare, mais tu n'es pas bénéficiaire de ce que tu dis, parce que tu n'as pas permis à Jésus de faire quelque chose dans ta vie. Tu le sais mentalement. Mais tu sais là où cela se trouve dans la Bible, mais le profil n'est pas là. Aujourd'hui, tout changera. Jean 18, verset 14. Jean 18, 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Oui, Caïphe, ce que tu dis, c'est pas quelque chose de nouveau. Jésus lui-même l'a dit. Jésus lui-même a dit cela. On va à Matthieu 20, 28. Voilà la prophétie ici. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de
plusieurs. Jésus l'a dit. Donc, Caïphe, tu ne nous dis rien de nouveau. Au fait, on peut aller même en arrêt jusqu'à Ésaïe 53 pour voir ce que Ésaïe a dit, que ce que ce seul homme, le Messie, fera, il va se livrer pour le salut de plusieurs. Donc, ce que Caïphe a dit est nouveau, est vrai, mais lui-même n'est pas une personne véritable. Ésaïe 53, je lis le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il va porter vos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a ôté toutes tes douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel avait retombé sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et on va au Nouveau Testament. Voyons Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5. On voit que la prophétie de Caïphe est quelque chose qui est jonché dans la Bible, mais c'était quelque chose d'étrange, ou bien d'étranger pour Caïphe qui a dit cela, mais qui n'a aucun avantage. Tout ce que vous écoutez cette nuit, vous allez en profiter. Vous serez bénéficiaire au nom de Jésus-Christ. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Est-ce que Caïphe disait que Jésus mourait, qu'il allait mourir pour le peuple? Mais voyons le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que Christ a fait. Il est mort pour toi. Je dis, il est mort pour toi. Vous serez bénéficiaires de cela. Vous allez participer à cela. Caïphe n'a pas pu prendre part à cela, mais le salut est disponible pour tout le monde ici ce jour. Christ va purifier ton cœur. Il va changer ta vie. Il va te donner la vie éternelle. Et dont il est mort pour toi, tu ne mourras plus. Il a ôté le châtiment du péché et t'a affranchi. Éphésiens au chapitre 2, 14. Éphésiens 2, verset 14, qui dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Tout ce qui se tient entre toi et Dieu, Jésus est mort et l'a enlevé. Donc quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je dis quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sanctifié. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Le salut est disponible aujourd'hui. Sa délivrance est disponible aujourd'hui. Sa sanctification, sa sainteté, sa nature est disponible aujourd'hui. Il va le faire pour quiconque l'invoque au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 24. Voici ce que Christ a fait. Lui qui a porté lui-même. Voici ce que Caïphe disait, qu'il est avantageux qu'un seul meure pour les péchés du monde, qu'un seul ne meure, que le peuple ne périsse. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Christ l'a fait. Et vous allez participer à cela au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour
les péchés lui justes pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit. On retourne à Jean 11. Retournons à Jean au chapitre 11. Nous lisons le verset 54. Voici ce qui était arrivé à ces gens-là. À cause de leur complot, à cause de leur conspiration, à cause de leur incrédulité, ils ont chassé Jésus d'eux-mêmes. Vous n'allez pas chasser Jésus de vous-même. Le prince de la paix, le Seigneur de gloire, le Dieu de majesté, ils l'ont chassé de leur sein. Verset 54. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus aux vêtements parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Et vous savez quoi? Partout où il allait, ses disciples le suivaient. Ils disaient que nous n'allons pas t'abandonner. Vous n'allez pas abandonner Christ. Vous n'allez pas abandonner Christ. Caïphe pourrait être négatif, vous ne serez pas négatif. Les Juifs pourraient se comploter contre lui. Vous n'allez pas vous joindre à leur parti au nom de Jésus-Christ. Et il les a quittés. La chose merveilleuse est que les disciples sont demeurés avec lui. Moi, je vais demeurer. Je vais continuer avec le Seigneur. Caïphe ne vous intimidera pas. Les pharisiens ne vous intimideront pas. Les opposants ne vous intimideront pas. Lorsque là où Jésus est, là où vous serez. Si vous êtes avec lui ici sur la terre, vous pourrez le dire que lorsque vous quitterez la terre, vous serez avec lui pour toujours au nom de Jésus-Christ. Voyons Luc 22, verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. C'est une chose merveilleuse de donner votre vie au Seigneur et que des épreuves se présentent, les difficultés se présentent, les Caïphe va s'opposer à ta vision, et les religieux vont s'opposer à ce que tu as fait, mais tu dis que je vais persévérer, je vais demeurer, je vais rester. Ah, vous êtes fatigué maintenant. Je dis, je vais persévérer. Vous allez persévérer au nom de Jésus-Christ. Luc 22, verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Dans mes épreuves, dans mes oppositions, dans mes persécutions. Lorsque les Juifs n'ont pas cru, vous, mes disciples, vous avez continué, vous êtes demeuré avec moi. 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dieu merci, je serai là. 1 Jean 2, continuez, demeurez. 1 Jean, ou persévérez. 1 Jean 2, 24. 1 Jean au chapitre 2, verset 24. Le secret de demeurer avec Dieu au ciel, c'est que vous demeuriez, vous persévériez jusqu'à la fin, que vous ne permettiez à aucune tentation de vous distraire, de vous faire détourner. En 1 Jean chapitre 2, verset 24, que ce que nous avons entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous allez demeurer. Je vais demeurer. Nous allons tous demeurer au nom de Jésus-Christ. On revient à Jean 11. Jean 11, nous lisons les derniers versets, verset 55. Jean 11, nous lisons du verset 55. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus. Et ils cherchaient Jésus. Vous posez la question. Certains d'entre vous ne croyaient pas. Certains suivaient les pharisiens et les sadduciens. Pourquoi vous cherchez Jésus? Certains
ne cherchez pas Jésus pour la bonne raison, mais moi je vais chercher le Seigneur pour la bonne raison. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisît de lui. Ils sont des incroyants. Parce qu'ils étaient incroyants, ils ont dit cela et ils ont fait cela, ce qu'ils ont fait. Dieu merci, nous sommes ici, non pour nous opposer à Jésus, n'est-ce pas? Non pour critiquer Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour croire. Je dis, nous sommes ici pour croire. Je suis ici pour croire. Je suis ici pour recevoir. Et ce que Jésus a fait pour Lazare, il ne fait pas exception de personne, il le fera pour cette nuit. Vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos affaires. Tout ce qui concerne votre vie, vous allez voir sa gloire au nom de Jésus. Êtes-vous prêt à voir cette gloire? Rappelez-vous la préparation, ôtez la pierre. Et la Bible dit qu'il ôtait la pierre. Dès que la pierre a ôté l'abomination, ôté ce qui est dans votre vie, que Dieu, dont la chose dont Dieu n'est pas content, et Christ va venir à vous là-bas, même cette nuit, et va dire, mentionnez votre nom maintenant, Lazare, Daniel, sort. Vous allez sortir. Au salut, vous allez sortir. Vous allez sortir à la vie éternelle. Vous allez sortir, entrer dans la force de Dieu. Vous allez sortir, entrer dans la guérison de Dieu. Vous allez sortir, aller dans la guérison. Vous allez sortir, aller au succès. Vous allez sortir, aller à la lumière. Et puis, toutes les portes fermées, les choses qui vous ont liées, les malédictions, les joues, tout sera brisé. Parce que le Seigneur a commandé, m'a ordonné cette nuit que déliez-le et laissez-le aller. Déliez-la et laissez-la aller. Vous êtes prêts à recevoir. Je dis, vous êtes prêts à recevoir. Où êtes-vous maintenant? Vous êtes prêts à recevoir. Dis-le au Seigneur. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre là. Ôtez la pierre là. Dis, Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Ôtez la pierre maintenant. Tout y a-t-il de souillure là-bas? Tout est souillure. Tout est souillure. Ôtez la pierre. Ôtez toute la pierre. Ôtez toute la pierre et dit, Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Ôtez toute souillure. Ôtez tout péché. Toute abomination. Tout péché secret. Ôtez la chose. Ôtez la chose. Confesse le péché au Seigneur. Repense-en. Dis, Seigneur, me voici. Abomination, j'ôte cela. Souillure, j'ôte cela. Et la colère, j'ôte cela. Les critiques, j'ôte cela. Et le mal, j'ôte cela. Je ne veux plus permettre à un péché de m'empêcher. Je ne veux pas permettre à la tradition de m'empêcher. Je ne veux pas permettre à la religion de me barrer la voie. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et quand vous ôtez la pierre, le Seigneur va déclarer la puissance à votre vie cette nuit. Le Seigneur va mettre l'autorité dans votre vie. Le Seigneur va déclarer, va vous donner le salut cette nuit. Vous n'allez jamais oublier ce jour. Vous n'allez jamais oublier cette nuit. La nuit, le jour où vous êtes sorti de la mort spirituelle pour rentrer à la vie, à la lumière spirituelle, à la vie abondante, la vie céleste. Vous entrez à la vie là cette nuit. Ôtez la pierre. Ôtez le péché là. Ôtez la magie. Ôtez l'occultisme. Et ôtez tous les mensonges. Ôtez tout ce qui barre la gloire de Dieu dans ta vie. Ôtez la chose. Ôtez la chose. Ôtez la chose disant, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Que le Seigneur te donne le salut, le pardon, la rédemption dans ta vie maintenant. Qu'il ôte la condamnation, qu'il ôte le cœur de pierre de ton cœur. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et si tu peux ôter la pierre maintenant, tu vas voir la gloire de Dieu. Dans ta femme, tu vas voir la gloire de Dieu. Dans ton mari, tu vas voir la gloire de Dieu. Dans ta famille, tu vas voir la gloire de Dieu. Dans l'œuvre de ta mère, tu vas voir la gloire de Dieu. Dans ton corps, la partie du corps là, qui est mort va reprendre vie. Cela va reprendre vie.
parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ le même aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme il a parlé à l'époque là, il parle aujourd'hui. Comme il a ordonné à ce temps-là, il commande aujourd'hui. Comme il a décrété à l'époque là, il décrète aujourd'hui. La vie vient. La vie vient à toi. La vie vient à toi. La puissance vient à toi. L'autorité vient à toi. Il y a l'onction ici cette nuit. L'onction qui brille toujours. Il y a l'onction ici cette nuit qui ressuscite les morts. Il y a l'onction ici cette nuit qui guérit les malades. Il y a l'onction ici cette nuit qui ôte tous tes jours. Il y a l'onction ici cette nuit qui va résoudre tous tes problèmes. Et puis il dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Cela t'arrive. Cela t'arrive. Cela t'arrive. Cela t'arrive. Tu ne peux pas échapper à la puissance de miracle. Tu ne peux pas échapper à ce décret. Tu ne peux pas échapper à la solution de tes problèmes cette nuit. Le Seigneur le fait maintenant. Il le fait maintenant pour toi. Il est à côté de toi. Il est à côté de ton tombeau. Il est à côté du problème où tu es. Il est à côté de la prison là où tu es. Et il va parler maintenant. Il va parler maintenant. Il va mentionner ton nom. Il va t'appeler de sortir. Il va t'appeler. Il va descendre la puissance de Dieu de descendre dans ta vie. Et va exploser, va détruire tout ce qui est négatif dans ta vie. Et il va t'affranchir cette nuit. Affranchir cette nuit. Affranchir cette nuit. Affranchir cette nuit. Affranchir cette nuit. De la tête jusqu'au bout de tes orteils. Tu seras affranchi. Dans ton âme, tu seras affranchi. Dans ton esprit, tu seras affranchi. Il va t'affranchir. Toutes les chaînes sont brisées. Tous les jours sont détruits, écrasés. Il va t'affranchir. Il va te libérer. Il va t'affranchir. C'est pourquoi tu es venu cette nuit. C'est pourquoi tu es là cette nuit. C'est pourquoi tu es ici cette nuit. Parce que la puissance de résurrection est ici. La puissance surnaturelle est ici. Et dit, déliez-le, laissez-le aller. Donne ta vie au Seigneur. Soumets ta vie au Seigneur. Oui, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je ne serai pas comme Caïphe. Seigneur, je crois. Je ne serai pas pharisien. Seigneur, je crois. Je ne serai pas comme admirateur. Seigneur, je crois. Je ne serai pas spectaculaire. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois. Je crois. Crois cette nuit. Confie les tes péchés. Il est mort pour toi. Pour ôter tes péchés. Maintenant, tu es affranchi. Maintenant, tu es affranchi. Maintenant, tu es affranchi. Il a ôté les transgressions. Il a ôté la culpabilité. Toute chose mauvaise a été ôtée. Et il t'a affranchi. Il t'a affranchi. Dis-lui. Dis-lui, je suis affranchi. Dis-lui, je suis affranchi. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et plusieurs crurent en lui là-bas. Plusieurs crurent en lui là-bas. Beaucoup crurent en lui là-bas. À tous ceux qui croient en lui cette nuit, vous allez recevoir la vie éternelle. Vous allez recevoir le pardon de péché. Vous allez recevoir la rédemption. Vous allez recevoir la liberté totale. Vous allez recevoir le salut du Seigneur. Seigneur, je crois. Tu es mort pour moi, je crois. Tu as ôté mes péchés, je crois. Tu as ôté ma culpabilité, je crois, Seigneur. Tu as ôté toutes mes angoisses, je crois. Et tu as ôté la malédiction. Le Seigneur ôte le jour. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Cela arrive aussitôt. La paix de Dieu va entrer dans ton cœur. La joie du salut va entrer dans ton cœur. Une nouvelle vie va entrer. La vie éternelle va entrer. La vie abondante va entrer. La vie, la puissance surnaturelle du Seigneur va transférer la vie de victoire. La victoire de Jésus à ton âme, à ton être. Je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. À partir de cette nuit, les choses négatives dans ta vie, toute ta condamnation est ôtée. La pollution de tes péchés est ôtée. La culpabilité est ôtée. La damnation est ôtée. Et il t'affranchit. Il t'affranchit. Il t'affranchit. Reçois-le. Et c'est fait.
reçois-le et c'est fait. Dès que Jésus parle comme ça, le Père le confirme. Le ciel le confirme. Et la promesse est accomplie dans ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et que les croyants dans l'église cette nuit disent Amen. Tête baissée, les yeux fermés. Tête baissée, vous savez, Jésus est mort pour tout le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Caïphe a fait une vraie prophétie. C'était authentique, saine, scripturaire, que Jésus mourra pour plusieurs. Et il est mort pour toi. Ton nom peut entrer dans le livre de vie maintenant cette nuit. Et s'il y a un péché qui t'a empêché, un péché qui t'opprimait, un péché qui te condamnait, tu sais que si tu meurs dans l'état là, tu ne peux pas aller au ciel, parce que aucun péché n'entrera au ciel avec ceux qui entrent. Mais ce soir, cette nuit, il y a le pardon ici. Je peux te pardonner maintenant. Partout tu te trouves, partout tu te trouves, partout tu entends ma voix, quelle que soit l'église, l'état, le pays où tu te trouves, tu veux maintenant le pardon du Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici, donne-moi le pardon là. Seulement lève ta main. Immédiatement tu auras le salut maintenant. Et mais aussitôt tu auras la liberté. Où es-tu? Où es-tu? Tu veux? Père, au nom de Jésus, nous te remercions, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tous ces gens-là qui ont levé leurs mains et qui sont partout, qui te croient cette nuit et ont accepté ton salut, accorde-leur ton pardon, accorde-leur ton salut au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres disparaissent, que l'oppression disparaisse, que leur condamnation disparaisse. Accorde-leur la liberté, cette rédemption, cette conversion maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit rende témoignage dans leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Que leur nom soit écrit dans le livre de vie au ciel. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Confirme-le dans leur cœur, dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un dise là-bas, Amen. Maintenant, toujours là-bas, cette nuit, c'est la fin de ce jour-là. La fin de cette maladie. Le dernier arrêt de cette oppression qu'ils ont mis quelque chose là-bas et la pierre, on a mis la maladie là-bas, la pierre là-bas, que c'est incurable. Ôter la pierre là, c'est ôter la pierre d'incrédulité. Que la vie pénètre dans le lieu où tu es caché, dans la prison. La guérison est venue cette nuit, la délivrance est venue cette nuit, la liberté est venue cette nuit. Toute malédiction est ôtée cette nuit au nom de Jésus-Christ. Où es-tu là-bas? Tu as besoin de miracles? Où es-tu? Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu es puissamment ici présent. Et c'est ton nom qui ne peut jamais faillir. Le nom qui va entrer tout tombeau et faire sortir quiconque est lié là-bas dans le tombeau. Ce nom de Jésus est ici cette nuit. Au nom de Jésus, je parle à chacun de vous. Maladie, sois guérie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la chose que tu as menée comme maladie, le docteur a dit ceci, a dit cela, je supprime cela maintenant. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. La délivrance est venue. Tout jour dans votre vie est brisé au nom de Jésus. L'onction qui brille le jour ne peut jamais faillir. Seigneur, je prie que toujours, toute oppression, toute malédiction, révoque cela, enlève cela de leur vie au nom de Jésus-Christ. La guérison du Seigneur sur votre vie, sur votre femme, sur votre mari, sur votre enfant, sur vos parents. Recevez, recevez, recevez. Vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, ceux qui luttent avec l'échec, avec la malédiction, quel que soit ce que le diable a mis dans leur vie, j'enlève la chose là par ta puissance. Je prie que toute chose mauvaise, toute plante, toute chose mauvaise que le Père Céleste n'a pas plantée, la chose là est déracinée au nom de Jésus-Christ. Affranchis tout le monde. Affranchis tout le monde.
délie-les et laisse-les aller. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction coule dans toute vie cette nuit. Je prie, comme nous sortons, que tout le monde entre avec le miracle. Que tout le monde aille avec son miracle, avec sa délivrance. Et que tout le monde rentre avec son affranchissement au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Je dis, c'est fait. Je reçois. Je dis, j'ai reçu. Où es-tu là-bas? J'ai reçu. C'est confirmé selon la confirmation de la prophétie au nom de Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse.